Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne pour la suite du walkthrough de Life is Strange. Alors, je l'enregistre le mercredi de la première semaine de mes vacances et vous allez la voir sans doute en fin de semaine, dimanche ou samedi, pour que vous ayez le temps. Alors, s'il y a un choix, je ne sais pas du tout s'il y aura un choix. J'avais vraiment envie d'y jouer, mais je sais que je suis très triste parce que voilà, je sais que ça va être la fin, que je l'ai mis sur mon Twitch, je l'ai mis aussi sur mon Facebook, sur les gens que je connais vraiment dans la vie. Et choses comme ça. Je sais que plus rien ne sera pareil après, que c'est le jeu de l'année. Faut être très honnête là. Au-delà de choses, ça a révolutionné vraiment bah voilà, l'esprit. Je précise que pendant mes vacances, j'écrirai sans doute. Ouais, j'essaierai de faire mon brouillon sur la lettre que je vais envoyer à Dontnod. Parce que je vais envoyer une lettre comme j'avais fait avant. Vous savez, je vous avais. Alors là, c'est vraiment pour les anciens et vraiment ceux qui ont suivi. Vraiment le walkthrough depuis le début, j'avais dit que je ferais une, quoi, j'avais fait une lettre à Dontnod avant que le jeu sorte. J'avais découvert le jeu sur Game One par hasard et j'avais été touché par l'explication, hein, plus du directeur de Dontnod, et j'avais été touché par leur réponse. Là, j'ai aussi eu 2-3 questions à poser, voilà, notamment par exemple, est-ce qu'il y aura une version physique qui va sortir et s'il y a une saison 2? Alors attention, hein. Je le crois pas du tout depuis le début que va y avoir une saison 2 avec Max et Chloé, ça c'est clair et net, et j'y crois. Mais alors là, pas du tout, parce que je pense que voilà, il va y avoir des personnages all-in. Alors ça sera une des deux qui va être all-in. Voilà, je n'y crois, mais vraiment pas du tout. Bon voilà quoi, je veux vraiment savoir ça, s'il y aurait du financement participatif. Si, bon, une saison 2, j'y crois vraiment, voilà. Ils laisseront du temps, mais bon voilà. Puis si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres idées, mais vraiment, voilà, qui peut être parfois surprenante, hein. Voilà, aussi j'aimerais bien savoir s'il y aura un jour une boutique avec des goodies, sur Life is Strange. Ça serait pas mal, hein, en ligne. Voilà quoi, vraiment plein de choses comme ça. Bah, n'hésitez pas, puisque bah, voilà, comme j'écrirai directement sur Dontnod, pas forcément sur les aux choses, mais je passerai par leur site, hein, comme vous pouvez le faire, et ma réponse sera dans mon test. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais aussi savoir. Donc, bon, pensez-y, hein, pendant cette semaine-là, pendant ces vacances, comme vous êtes un peu libre pour ceux qui ne travaillent pas, en tout cas. Voilà. Alors, le résumé, comment peut-on résumer Darkroom, l'épisode 4, le plus what the fuck épisode, où au départ, Max était dans le passé, hein, parce que là, j'essaye de penser à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire, elle était avec Chloé du passé, qui était handicapée parce qu'elle avait changé le passé. Bah là, il y a eu un moment voilà, émouvant pour moi qui était avec Blade Runner où voilà, on va peut-être faire ça. Alors attendez, est-ce que je peux voilà, ouais, ça a été bah, voilà, impressionnant d'émotion ce moment où elle a demandé clairement de cesser de vivre et bah, d'arrêter complètement voilà, sa souffrance. Ensuite, elle est revenue sur place, elle a fait un travail d'enquête de dingue, hein, on peut dire ça. Voilà quoi. En lisant tous les éléments, il y a eu aussi le passage avec Franck, où on pouvait totalement dans le jeu aller à la mort de Franck, le blesser, ou alors qu'il soit complètement OK, avec aussi des conséquences, parce que l'argent qui a été piqué dans le bureau du proviseur aurait pu servir à Franck et à aider. Si on n'avait pas menacé Franck aussi, c'était une bonne chose. Bon, bref. Il y a eu plein de choses comme ça, et puis après donc le travail d'enquête, le travail de la Darkroom, où là je me suis posé plein de questions, et vous avez vu ma réaction en live, où je me suis dit, mais c'est pas possible, il peut pas être seul, Nathan. Nathan, c'est pas quelqu'un d'aussi clean, propre, comme ça, dans les choses. Et puis il y avait le travail, il y avait cette foutue image de photographie, et ça fait appel, et là, bon, pendant qu'il y a eu le break d'image, j'ai vraiment voulu regarder aussi des images et des vidéos de fans. Et bah, peut-être que ceux qui ont vraiment fini le jeu ou qui ont vu les. Alors, je le dis, hein, il fallait absolument pas aller sur Twitch pour se spoil entièrement. Moi, je pense qu'il fallait bah, découvrir comme moi l'histoire au fur et à mesure. Et pas le faire d'une traite, mais vraiment le faire progresser comme ça chaque semaine, faire un peu plus de l'histoire, avancer avec le puzzle. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de profiter du jeu, quoi. Moi, c'est mon avis vraiment personnel en tant que youtubeur. Et voilà, et avancer et voir. Et je me suis posé plein de choses. Et là, quand j'ai vu des théories avec les mecs qui montraient que dans le premier épisode, et je mettrai dans le test, hein, dans mon test, je vous jure que je poserai devant les photos de notre cher professeur préféré, Monsieur Jefferson, et vous voyez une fille qui, quoi,
C'est vrai qu'elle, c'était bizarre parce que dans le premier épisode, on regarde, on était à côté de ses photos et je sais pas si vous voyez, elle, toute la cour était magnifique, était paisible et on voyait des personnes souffrir sur ses visages quoi. C'était souvent des jeunes filles qui sont en train d'être maltraitées ou arrêtées, des choses comme ça. Et j'avais trouvé que voilà quoi, ils avaient mis, il y a chaque petit détail dans des fois dans les épisodes qui peuvent faire penser à ça. Et donc à l'épisode 4 là, moi j'ai, c'était dans la darkroom où j'étais vraiment mal à l'aise. Ouais, j'ai vu ça. Donc, elles sont arrivées dans la Dark Room, elles ont vu qu'il y avait Kate, qu'il y avait Rachel qui avait été pris, qu'il y avait sans doute Victoria, la prochaine cible. Et elles sont allées évidemment dans la case où il y a eu le corps de Rachel. Elles ont découvert le corps de Rachel. Et là, Chloé voulait absolument se venger de Nathan. Il y a eu une partie où je pense là aussi dans le test, j'en parlerai de là, et je la montrerai cette partie où on est pendant la fête, où. Du Vortex Club où là tous les choix pètent à la gueule hein, quoi après vraiment hein. C'est-à-dire Victoria le choix de se moquer ou pas quand elle avait la peinture de faire les bons choix les bonnes discussions vous le savez quoi que l'histoire de la peinture c'était le premier épisode voilà il pète à la gueule de puissant et je pense que chaque choix a pu compter par exemple peut-être que Nathan aura un rôle dans cet épisode et donc voilà et donc bah, on essayait de prévenir tout le monde Nathan et à un moment donné quand elle a sorti bon déjà on a vu notre cher prince charmant complètement bourré et à la fin Chloé a reçu un texto soi-disant de Nathan qui faisait pas qui faisait zéro faute alors qu'avant tous ces textos avaient plein de fautes merci monsieur Jasker pour la petite précision qui était vraiment importante mais bon là honnêtement dans le live quand tu vis ça tu n'as pas toujours le temps de le voir et là on bah on un Chloé s'est fait on va dire endormir par un poison, elle ne pouvait pas utiliser son pouvoir de rewind. Donc, elle était vraiment fragile. Max, pardon, excusez-moi, je suis en train de dire Chloé. Et Chloé s'est pris une balle, voilà. Et on a vu à la fin bah, le visage de Jefferson qui était, bah, voilà, c'était aux portes de l'enfer comme mon dernier élément. Je crois que j'ai à peu près résumé ça. J'ai mis 7 minutes, mais honnêtement, j'aurais pu en mettre 10. Tellement cet épisode a été fort. Allez, on y va. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Ugh. Close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh no, Chloe! How? What the fuck? Ce résumé résume à lui seul ce que j'ai dit. Et c'est vraiment fort, hein. Ça, quand tu reprends toute la chose, c'est vraiment. Waouh. Bon, je pense qu'on va avoir un début avec plein de cinématiques. Voilà, quoi. Allez, les amis.
C'est beau comme la... quoi, c'est beau comme le transition entre tout était lumineux, aux couleurs chaudes, des choses comme ça, et là, c'est sombre. Et vraiment, il n'y a que Max qui est peut-être avec ses habits clairs, mais la pièce est sombre. C'est vraiment dur. Hein. Vraiment, c'est une intro difficilement battable, les amis. Je pense qu'elle va devoir essayer de se sauver. Peut-être qu'il n'y a personne. Est-ce que je peux bouger? Oui, je peux bouger. Ah, ok. Ah là là. Oh, Victoria, oh merde! Je peux pas rewind, c'est fou. Alors, est-ce que c'est un quiet moment subi? Il y a Victoria quoi. Alors attendez, je vais peut-être déjà faire ça et ça. Darkroom. Alors, on dirait une série de photos. Photo plus ruban, Kate, la baleine, la tempête, Chloé Price Forever. J'aime pas du tout. Ok. Là, ça me fait un peu peur. Je vais juste vous montrer le. Est-ce qu'il y a. Attendez. Il n'y a pas le journal? Ouais, c'est qu'en même temps, elle n'a plus son journal. Elle n'a plus de texto. Ok, alors là, c'est vraiment un truc très limitatif. Hein. Bon, en tout cas, attendez, je vais juste vérifier un truc. Donc, les amis, hein, j'ai essayé vraiment de check, mais j'ai pas du tout trouvé le SMS ni le chose. Donc, on va essayer surtout de regarder. Il y a la pauvre Victoria. Dans la seringue. Regardez. On va essayer de détacher les armes, le chariot peut-être. Ouais, ça me fait peur les amis, ça me fait peur de lancer le truc. Allez, c'est parti les amis. Juste, je vais juste quand même vous montrer que, voilà, parce qu'on m'a demandé, on va mettre élevé, appliqué, on est tous d'accord. Ouais. Parce que j'étais en moyen, tu m'avais demandé, monsieur Jaskier. Ça, je vais un peu augmenter aussi, puisque mon micro est bien meilleur. J'ai eu un petit souci, bref, pas grave. Je vais augmenter un peu le volume. Voilà. Retour. Voilà. Pied gauche détaché. Yes. Yes, Max. Peut-être que tu vas te... tirer. Regardez la photo, je veux regarder la photo. Oh putain. Putain de Jefferson. Non. Regardez, est-ce que je peux tirer? Est-ce que je... Je vais essayer. Hein. Bah, je sais pas quoi faire là. Je peux revenir en arrière. Souris gauche, se concentrer sur la photo. Ah ouais, alors A et D, A et D, avant arrière.
les amis, j'ai toujours galéré avec ces moments. Vous allez vraiment me détester, hein. Ça, c'est vraiment le genre de moment. C'est vraiment la critique là sur les. Ah, bah, espace mis au point automatique. Ah ouais, parce que là ça m'avait vraiment gonflé. Hein. Parce que là franchement. Quel dingue. Putain, ce type est dingue, quoi. Putain, il est dingue, hein. Whoa. He had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed her, that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most are. Il est complètement dingue. Il doit avoir un passé lourd, lui, hein. Là, je peux rien faire, hein, je précise. Il est complètement dingue. On voit le truc spatio-temporel à droite. Ok, ça je pourrais pas revenir sur ça.
Là, ça va être vraiment. Je pense que. Vous vous rappelez là, la mort de Chloé sur Blade Runner et tout ça? J'aime pas du tout ce truc. Ok, on va revenir sur le passé. Ok, au fur et à mesure, un petit peu comme un livre. Voilà, c'est très dangereux ce qu'elle est en train de jouer. Hein. Caméra. Fiole cassée. Ok, donc ça j'ai modifié quoi. Peut-être que c'est... C'est assez déprimant, hein. Oh, Victoria, quoi. Elle a besoin d'être rassurée, les amis. L'épisode, le plan vraiment de Max. Jefferson would do this to me, to us. Victoria, we will find a way to escape. C'est ça le côté fort de Max quand même. I promise. Max, I believe you. Ok, donc là, en même temps, je l'ai rassuré. Ok. Attendez, je vais juste faire... Est-ce que je pourrais... Voilà, je vais faire ça. Ça sera mon plan pour mon épisode. Je pense que c'est un quiet moment intégré et forcé dans le truc, mais on verra bien. Hein. Je vais regarder ça, c'est quoi ça? D'accord. Regardez. Allez, on va y aller. Je fais ce concentration et après... Ok, alors on va essayer de jouer un peu plus parce que là... ouais, non. Concentration!
Ok, là déjà il y aura un face-to-face. Vous voyez le spatio-temporel. So glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura, and those lucky few become. Voilà pourquoi Rachel. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, the sleeping beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle. Killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. My pure. Bah, tant pis. Kate a survécu. Stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much. Bah, je vais faire une coupure, les amis. Bon, oh, pas de réponse. On continue, les amis. Was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often. Teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious dark room and equipment? How else could I get all? Ah, le matériel de pointe dans la chambre de Nathan. Tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating me. Wow, le choix. Cared more about me than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in love with Rachel. He actually thought he did what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried.
C'est pas vrai. Oh mais my god. Je pensais que Nathan. I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Impressionnant. Déjà la musique est particulièrement bien trouvée. Sorry. This is not art. This. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Max. Bon, vous voyez hein, ce moment très fort, très bon, je vais. Est-ce que je m'arrête là? Je crois que je vais m'arrêter là, les amis, parce que je pense que... Ouais, je vais m'arrêter là, les amis, parce que je veux pas trop spoil. Bon, je pense que j'ai été long, j'ai eu une sonnerie, hein, vous inquiétez pas, c'est chez moi. Pas de réponse, donc on va laisser tomber. Et on va s'arrêter là, et on va prendre ça pour le chose. Voilà, les amis, bah, j'espère que c'est intéressant. Ah, c'est pour ça que j'ai pas mon journal, mais bon, voilà. Bah, les amis, tchuss, bonnes vacances, pensez aux questions ou voilà, je pense que voilà, c'est un épisode qui va être très fort, qui va être très dur aussi, mais bon, je pense que vous étiez pensez évidemment au choix que je vous ai dit, c'est à dire si vous avez des questions bah, vraiment originales, on va dire, ou en tout cas qui vous brûleraient les doigts, pas forcément sur les persos, parce que voilà, je pense que j'aurais sans doute plutôt accès au directeur de choses comme ça. En tout cas, les personnes qui sont en haut, je ne sais pas du tout si il y aura tellement de mails, peut-être qu'ils ne répondraient pas. Mais bon, bref, on essaiera quand même le truc. Je prendrai le temps, mais bon, si vous avez vraiment des bonnes questions, des choses très originales, n'hésitez pas à me les envoyer, soit par message privé sur YouTube, ça m'arrangerait plutôt. Voilà, ou soit vous le mettez avec le petit commentaire dans le chose. Enfin, vraiment, vous avez des questions qui brûlent les lèvres. L'histoire de la saison 2, je pense qu'elle est évidente. Mais bon, pensez pas à ça. Si vous avez des choses très originales, bah, voilà, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je suis vraiment intéressé pour le kickstarting, voilà, les choses. Et puis la version physique. Je voudrais vraiment savoir s'il pourrait y avoir un truc collector ou physique, vraiment physique, avec quelque chose dedans, quoi, pour nous faire... Voilà, chaque jour quand je suis dans ma pièce et ben j'ai une trace de cet épisode. Tchuss les amis, prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers, et à bientôt sur ma chaîne. How little control I have over what happens. What kind of friend are you? I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. Victoria, listen to me. And the winner is... Oh my god! Rachel in the dark room. Oh my god. Kate wasn't the first. Max, come on. Think. I need to change fast to make it right again. I have to go back in time. Time to change time. I know exactly where I'm going! So we could get real justice, and nobody is gonna get in my way. I'm with you to the end, Chloe. Nathan is dangerous. Where is he? Warren
Do you believe me? Of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. I think that the storm started, and everything started when I found out I could rewind time. All this destruction is my fault. I can't let that happen. I can still change things.